Popcorn café de Santa. Il a dit quoi ? Il a dit café. Au lieu de salé. Popcorn salé de Santa, c'est le titre. Tu vois, ça passe plus après. Ça passe plus après. En plus, j'adore cette chanson. Popcorn salé de Santa, c'est le titre que Lucie, 12 ans, chante pour sa demi-finale et peut-être une place en finale. On lui souhaite bonne chance, Lucie. C'est la seule fille de l'équipe. Ouais. Allez, Lucie. Ah, mais trop mignonne. Je pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplémentaire. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens, je t'emmène loin, regarder le monde s'écrouler. Il y aura salé, il y aura un nouveau monde à nos pieds. J'entendrai les bravos étouffer les flammes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens, je t'emmène loin, regarder le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé. Voilà, Lucie. Bravo. Le dernier talent de Patrick Fiori avant de connaître le ou la finaliste dans son équipe. Franchement, je le dis, il n'y a que dans The Voice Kids, et pardon, hein, on... À cet âge-là, on entend des choses d'une telle maturité, d'une telle profondeur, les amis. Patrick ? Oui, on entend des choses qui nous bouleversent, quoi, et qui vont droit au cœur. Je sais que je dis souvent ce mot, mais c'est ça, en fait. Moi, si le cœur n'est pas touché, ça ne me touche pas. Et là, tu es rentré dans mon cœur. Tu m'as fait trembler, tu m'as fait vibrer. Et ça, c'est très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'est assez hallucinant ce qu'on vit ce soir et c'est une enchanteresse, quoi. Elle nous a tous un peu emmenés dans son monde. J'avais l'impression, voilà, d'être en concert et d'être parti voir une super nouvelle artiste qui nous présentait son univers. Merci.